Et bonjour à tous. J'espère pour que tout va bien. C'est Corentin point Pikachu. J'espère pour que tout le monde va bien. Moi, je vais toujours nickel. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo tout simple où je vais vous dire une vérité. Comment j'ai commencé. On va parler aujourd'hui. Je voulais vous parler de comment j'ai commencé la collection. Mon petit budget que j'ai par semaine. Parce que vous savez, je suis sur tutrice, sur curateur renforcé. Voilà, je peux pas gérer mon argent tout ça. Sinon, je suis quoi de faire des conneries. Voilà, je pouvais m'acheter un pack à options, je pouvais m'acheter du à gratter n'importe quoi. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Aussi, comment je ressens Pokémon, c'est ce moment-là. Pokémon, ça fait très longtemps que j'ai commencé la collection. J'ai commencé en 2008, ça va faire 15 ans maintenant, j'ai commencé la collection. J'en ai beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je dois en faire les 2000 cartes. Je veux pas tomber sur un joueur là, j'ai pas envie de tomber sur en pleine télévision en me disant voilà un milliardaire qui a commencé à vendre sa collection de cartes Pokémon à presque 2000 $. Je ne vendrai jamais une collection qui me vaut aussi cher. Regardez, déjà c'est la Pikachu 2004, je la vendrai pas. Pikachu, je la vendrai pas non plus qu'elle me vaut trop cher. Là, je dois faire un échange avec un copain et aussi. Attendez. Beaucoup qui me disent, mais Quentin, tu t'ouvres pas de booster chez nous. J'ai celle-là aussi. Je vous ai fait voir pour mon anniversaire, 0 €. Attendez, c'est pas terminé. Excusez-moi, vous n'avez pas fait voir toute la vérité. Maintenant, je vais vous faire voir toute la vérité de ma collection. Un jour, je vous ferai une vraie vidéo quand je serai vraiment prêt dans les années. Je vous ferai vraiment une vidéo vraiment entière de toute ma collection. Voyez. Attendez, c'est pas terminé, attendez. C'est juste autre. Il y a beaucoup qui me demandent si j'ai des grosses cartes, attendez. C'est ça, je reviens quand. En vrai, je vais vous envoyer notre système en vide grenier. Ne vous faites pas arnaquer en vide grenier. Le vide grenier, c'est une astuce pour se faire arnaquer. Regardez. Dites-moi dans les commentaires si celle-là. Moi, je crois qu'elle est fausse. Elle est fausse. Je me suis fait arnaquer pour 2,50 €. Je m'en fous complètement. Celle-là. Celle-là, elle est vraie, celle-là. C'est une 95, elle est super belle. Amine, je sais pas combien elle vaut. Celle-là, elle vaut hyper cher, il paraît. C'est. Je vais toujours garder pour vous dire. Beto Chef V de Pokémon Go. Regardez, attendez. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous faire voir d'autres qui jouent là, attendez. Qui fait très joli dans la collection. Est-ce que vous allez me dire, mais Corentin, où elle est passée toute ta vraie collection que t'avais quand t'étais petit? Pour avoir un truc, je me suis tout fait voler à l'école. Ça me fait des mauvais souvenirs. On va pas en parler, ça me fait des mauvais souvenirs. J'ai ça aussi qui est joli, une petite serviette Pokémon Pikachu. Parce que vous savez, j'adore Pikachu. Attendez. Oui, on va dire, comment on veut dire, chacun sa petite passion. Comment dire, chacun qui a sa passion. Un Pikachu, d'autres Ronflex, d'autres c'est Tortipouche, d'autres c'est. Il y a chacun son Pokémon préféré. On peut dire c'est Pikachu, Dracaufeu. Voilà. Après, qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous? Ah oui, il y a certains qui me demandent est-ce que Corentin t'as des géantes de cartes? Géantes de cartes, je n'ai pas beaucoup pour dire. Je peux vous faire voir ça. J'ai une gamme, t'en as beaucoup pour avoir un ici.
J'ai aussi des mangas. Regardez. Vas-y. L'écran. J'ai ça, géante. Là, je sais pas. C'est avant de vidéo gagner avant de te faire arnaquer. Regarde, attends. Regardez le meilleur YouTube, attendez. Vous vous souvenez de Kim Kibiki, Kibiki qui est très gentil aussi. Voilà, si cette vidéo vous a fait plaisir, si vous voulez liker, si vous voulez vous abonner, j'ai juste parlé de comment commencer une collection Pokémon aussi. Combien de temps j'ai commencé Pokémon. Aussi d'autres choses si vous voulez voir. Allez, entre ces deux-là. On va voir s'il y en a qui s'y connaissent. Moi, je m'y connais. Celle-là, est-ce qu'elle est fausse? Après vous. Moi, je dis oui. Celle-là, moi, je dis non. Voilà, si cette vidéo vous a fait plaisir, si vous voulez liker, si vous voulez mettre des pouces bleus. Vous mettez des commentaires, si vous voulez liker. Bisous à tous.